Bonjour à tous. Voilà, donc je suis Thibault Gérard, conseiller technico-commercial pour la firme STO. Donc on est le leader technologique des systèmes d'isolation de façade pour la construction et la rénovation. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu plus sur l'isolation de façade. Je vais donc vous partager mon écran. Voilà. Donc aujourd'hui, la situation en Belgique. On sait que 60% des habitations sont mal isolées ou pas isolées. On sait aujourd'hui également que ça représente, pardon, 15 tonnes de CO2 de chauffage par ménage, soit 750 arbres. Alors pourquoi isoler? Donc aujourd'hui, isolé, on peut voir qu'il y a des déperditions de chaleur. Le toit représente 15 à 20%. Mais les murs 20 à 25% et les fenêtres 20 à 25%. Les photos thermographiques parlent d'elles-mêmes. Donc, vous pouvez voir sur la photo un bâtiment qui n'est pas isolé et un bâtiment qui est isolé. Donc, on va voir les différences au niveau des couleurs. Alors, quels sont les avantages aujourd'hui d'isoler sa façade? D'abord, un nouveau look pour votre maison. Donc, on a plusieurs aspects qu'on peut mettre devant. Une économie jusqu'à 30% sur votre facture d'énergie. Plus de confort, une augmentation de la valeur de votre maison et des réductions d'émissions de CO2. On peut également répondre aux exigences PEB. On peut considérer qu'il y a actuellement 5 étapes pour une rénovation de façade parfaite. La première étape, lorsque vous mettez votre main sur les murs, vous sentez soit du froid, soit un courant d'air. Alors, il est temps d'isoler. Vérifiez d'abord, premièrement, les documents de votre maison pour voir si votre façade est isolée. Ensuite, vous pouvez vérifier auprès de votre commune si un permis est nécessaire. Donc, vérifiez à l'avance pour voir ce dont vous avez besoin. La troisième étape consiste à déterminer son budget. Donc, il faut vérifier votre budget, le budget donc, que vous avez à votre disposition, mais également se renseigner sur ce que vous pouvez emprunter à la banque. Il y a des prêts verts avec des taux très avantageux. Petite astuce, combien pouvez-vous économiser grâce à l'isolation de façade? Donc, vous pouvez calculer votre gain sur notre site 3xW. isolermafaçade.be. La quatrième étape, c'est d'aller vers un expert. Donc, faites-vous conseiller. Demandez des conseils à un expert qui va venir voir sur place, évidemment. Comparez les offres, le type de matériel, les composants, les différentes finitions, les heures de travail. Et une petite astuce, vous pouvez trouver également un professionnel dans votre région grâce de nouveau à notre site 3xW.rénovermafaçade.be. Ensuite, la dernière étape, c'est de demander votre prime. Possibilité également de découvrir comment on peut calculer notre prime sur notre site. Et donc, on sait que les primes sont liées soit à la valeur RD, la valeur U de l'isolant, et varient donc d'une région à l'autre. Ici, j'ai représenté la structure du système d'une isolation de façade. Donc, on part évidemment d'un support pour lequel on va venir coller l'isolation et ensuite on va mettre un mortier d'armature avec un treillis qu'on va enrober et ensuite on va terminer par une finition, que ce soit du crépi ou d'autres finitions. Vous allez pouvoir choisir votre finition, l'enduit ou un crépi. Donc, il y a soit des grains qui sont différents, on peut donner différents aspects sur la façade, mais on peut également, grâce par exemple aux signatures, mettre en application une finition totalement différente. Donc, ici, vous pouvez avoir quelques représentations, des imitations béton, des imitations bois. Tout cela est possible avec les enduits de chez STO. On peut également, sur notre système, à mettre le système Stobrick. Donc, ce sont des briquettes qui permettent de reproduire d'authentiques façades en briques. Le système est totalement isolé. Ici, plusieurs finitions,
que vous allez également pouvoir retrouver en référence sur notre site STO. Quelques conseils. D'abord, il faut savoir si le système d'isolation est certifié. Donc, en choisissant un professionnel certifié, vous allez pouvoir bénéficier d'un taux de TVA de 6% et donc économiser 15% de TVA. Demandez votre garantie de 10 ans avant le début des travaux grâce aux experts de façade. Optez pour la qualité, pensez à du long terme. Laissez-vous adviser sur la meilleure solution qui convient à votre style de vie, vos souhaits et votre budget. Vérifiez les conditions et la valeur RD, donc la résistance thermique de l'isolant, pour obtenir vos primes. Nous vous souhaitons bonne chance avec votre projet. Merci.